Je travaille sur l'humain. J'ai beaucoup travaillé sur la mémoire. Et dans la représentation de l'humain, il y a les mondes intérieurs qui sont représentés ici par des livres-objets. Tous les codes du livre sont présents. La coque, le fil, les pages. C'est un monde. Quand on lit, on est dans un monde. Et quand on referme ce livre-objet fait de deux sphères, ça représente vraiment une sphère totale dans laquelle un monde s'inscrit. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes un monde de choses cachées, de jardins intérieurs, de jardins secrets. Mais cela représente aussi le monde extérieur. Et pour parler du monde extérieur et du monde intérieur, j'ai travaillé également sur les planètes. Chaque planète représente un monde intérieur également. J'ai travaillé sur des petites planètes qui représentent des mondes intérieurs. Chaque petit monde, chaque personne a son monde intérieur. Et j'ai représenté des cheminements, des béances, des trous, des déchirures, et puis des éclipses aussi, parce qu'on cache des choses. Donc c'est une façon de parler aussi de nos émotions et de ce que nous vivons.